J'ai échoué. Je suis désolée. Il était une fois deux petits garçons. Ils s'appelaient Parcanas et oh, je ne sais plus. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Tout ira bien. Vous allez finir par vous en souvenir. Détendez-vous. Mais je dois me rappeler. Padawan. Je ne suis pas folle. C'est à cause de l'homme dans l'ombre. Il apporte les ténèbres. Elles approchent. L'homme dans l'ombre? Je ne comprends pas. Parcanas! Parcanas, où es-tu? Yuan! Faren, reconduisez Yuan dans sa chambre. Désolé de vous avoir imposé ça. Je suis Atros Finn, chercheur. Il faut qu'on trouve un remède. Elle n'arrête pas de parler d'un certain Parcanas. Qui est-ce? Vous non plus, vous ne savez pas? Tant pis. Ce qu'il faut à Yuan, c'est un remède. Le problème, c'est que la plus grande archive de savoir de la galaxie, le temple Jedi de Coruscant, est en ruine depuis la guerre. Je pense que la clé pour soigner Yuan se trouve dans les archives des ruines du temple. Mais ce sera difficile d'y accéder. Si ça peut aider Yuan, j'irai chercher l'information. Les concepteurs du temple ont créé un système qui permet de classer tout le savoir Jedi. Il s'agit de trois holocrons servant de guide. La sagesse et la personnalité des plus grands maîtres de l'ordre ont été transférés dans ces guides appelés Nauticon. Inutile d'attendre. Malheureusement, on ne dispose plus des Nauticon. Les ruines du temple ont été pillées et les Nauticon enlevées. J'ai une piste sur l'un d'eux, mais il n'est pas entre de bonnes mains. La sécurité de la République a repéré des pilleurs Gand transportant un Nauticon à la guilde des marchands du voyage. La République a ramené un Gand pour l'interroger, mais il n'y a rien à en tirer. Je n'ai jamais rencontré de Gand auparavant. C'est une espèce fascinante. Calme, humble, loyale envers ses semblables. Allez vous adresser à l'officier de la République, Alec Efran. Il se trouve au poste de sécurité avec le Gand. Au fait, je suis déjà sur une piste pour le deuxième Nauticon. Je devrais avoir du concret d'ici votre retour. Bonne chance.